Bonjour à toutes et à tous. Oui, je sais, c'est une vidéo Pet Shop, c'est un peu bizarre vu que j'ai changé mon nom de chaîne. Donc avant je m'appelais Pet Shop Monkey, après Nyako Pet Shop et maintenant c'est Mew Mallory. Mais je ne compte pas arrêter les vidéos Pet Shop parce que mon nom de chaîne a changé. C'est juste parce que maintenant je fais plusieurs choses différentes. Je vais faire des covers, des vidéos Pet Shop, sûrement des vidéos animation, peut-être des AMV, je vais faire plein de trucs quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Pet Shop parce que j'ai commandé plein de Pet Shop et j'ai reçu énormément de colis aujourd'hui. D'habitude, je ne fais pas de vidéo pour ça, mais vu la quantité de Pet Shop que je vais recevoir, que j'ai reçu aujourd'hui, je me suis dit que ça serait mieux de faire en vidéo. Et oui, mon Pet Shop a un petit masque. C'est pour dire qu'il faut faire attention, même si le déconfinement est passé. Donc, protégez-vous, lavez-vous les mains, restez à 1,50 m de distance des autres. Et voilà, on va commencer le déballage des nouveaux Pet Shop. On va commencer simplement avec l'un des plus petits colis. Et on passera du plus petit au plus grand. Et vous verrez, j'en ai vraiment beaucoup. Et il y a aussi un livre, mais ça touche aussi les Pet Shop, donc ça sera dans cette vidéo aussi. Donc, pour commencer, c'est ces deux-ci. Donc, je me suis trompée, c'est pas le plus petit colis, mais c'est l'un des plus petits. Donc, c'est l'avant-dernier crocodile qui me manquait dans ma collection, parce que... Donc, c'est l'avant-dernier crocodile qui manquait dans ma collection. Donc, je les ai presque tous, il me manque que le bleu. C'est une forme que j'adore. Désolée, mon appareil photo, il a du mal. Parce que je bouge le Pet Shop et du coup, voilà. Donc, voilà, c'est l'avant-dernier qu'il me manquait. Et il y a ce lapin avec les oreilles toutes fluffy. Que j'adore aussi. Parce que j'adore les lapins Pet Shop. C'est vraiment une forme que... c'est vraiment des formes que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour le premier colis. Donc, dans ce colis-ci, j'ai reçu ce serpent édition spéciale. J'aime énormément les serpents aussi. Donc, voilà. Je le trouve magnifique. Et ses couleurs brillent. Donc, voilà. Ah oui, j'ai tout eu sur Vinted, si vous vous demandez. Je mets tout dans le fond parce que après il y en a beaucoup plus. Donc là, j'avais surtout commandé pour retrouver des Pet Shop que j'avais vendus avant. Donc là, c'est surtout... j'avais surtout commandé pour ça. Mais il y a bien sûr des Pet Shop que je n'avais jamais eu. Donc, pour commencer, il y a cette chenille que j'avais déjà eue avant. Ensuite, il y a ce flamant rose, donc je l'avais eu aussi auparavant. Voilà. Il y a ce lapin bélier qui me fait beaucoup penser à celui avec des genres de soleil dans les yeux. Mais je me disais qu'avoir celui-là, c'était une bonne chose parce qu'en plus je le trouve trop chou comme ça. Voilà. Ensuite, il y a ce pélican. Donc, j'en avais pas de cette forme. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais il est vraiment cool, je trouve. Et il y a ce loup que j'aime vraiment beaucoup. Je ne savais pas qu'il existait. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu que la personne le vendait, je l'ai tout de suite pris, quoi. Voilà. Pour continuer, ça sera des gros colis, des colis comme ça. Donc je vais utiliser un cutter, mais si vous êtes assez jeune, n'utilisez pas des cutters tout seul, demandez à vos parents. Pour continuer, ce sera un lot de Fairy Pet Shop. Donc j'imagine que beaucoup n'aiment pas ces Pet Shop là, mais moi je les adore, donc j'ai pris un lot complet. Je vous montre ça. Donc on a celui-là. Celui-là, donc j'en avais déjà un de cette forme, mais pas de la même couleur.
Ensuite, il y a celui-là. Bon, celui-là, je suis pas très très fan. Je le trouve un peu bizarre comparé aux autres. Ensuite, il y a celui-là. Je ne suis plus sûre, mais j'en ai peut-être un déjà de cette forme. Oui, je crois que j'en ai un. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, on peut passer au prochain colis. Pour la suite, j'ai ce renard. Donc, c'est mon quatrième renard, je crois. Même si, en vrai, je devrais dire 5 parce que j'en ai déjà eu un autre, mais j'ai dû le vendre. Mais on va dire que c'est mon quatrième vu qu'actuellement j'en ai que 4, je crois. Donc voilà. J'ai eu ce manchot en velours. Voilà. Avec un chapeau. Cette adorable petite coccinelle. J'adore vraiment les coccinelles dans les pet shops. Hein. J'aime beaucoup les formes comme ça. J'ai eu ce lapin en cadeau. J'ai eu cet autre lapin. Vous pouvez voir que j'aime vraiment les lapins béliers. Hein. C'est le troisième. Ensuite, j'ai eu cette chauve-souris. Donc, c'est ma quatrième chauve-souris. C'est celle en velours cette fois-ci. De toute manière, je ferai bientôt une vidéo où je montre tous mes pet shops. Avec, j'ai eu un panier de lapins. Pour ce colis, c'est le livre dont j'ai parlé. Donc voilà. Donc j'avais les trois premiers guides et ça faisait longtemps que je voulais acheter celui-ci. Et donc je m'attendais pas à ce que ce soit un livre aussi gros. Donc ça aide pour la checklist, c'est pour ça que je l'achète aussi. Mais j'aime bien aussi collectionner les livres, les magazines. La paperasse pet shop. On passe maintenant à l'avant-dernier colis. Donc pour la suite, il y a ce lovebug pailleté. Je le trouve magnifique et très original. Ensuite j'ai eu ce fameux hamster. Donc ceux qui ont mon âge et qui aiment bien les pet shops ou qui ont aimé les pet shops le reconnaîtront surtout dans la web série qui était sortie avec 7 épisodes de 2 minutes. J'avais la maison des hamsters, mais je ne l'avais pas lui. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Parce que je l'avais eu, mais j'ai dû le vendre. Mais du coup, je n'ai plus vraiment de pet shop de cette forme. Et puis en plus, j'ai le centre sportif, alors il faut le pet shop qui va avec. Il me semble que c'était lui. Ensuite, j'ai eu cette souris. Donc pareil, je l'ai déjà eu avant et j'en ai plus de cette forme. J'ai eu ce Siricat, donc j'en ai reçu un il y a quelques jours aussi. Donc c'est mon deuxième finalement. Mais voilà, je le trouve très marrant celui-là. J'ai eu cet épagneul. Et le dernier de ce lot, c'est aussi un épagneul. Donc je crois que c'est le bis du chaton qui fait un clin d'œil aussi, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est bien d'avoir les deux. En plus, je la trouve trop chou, même si ses couleurs sont assez fades. Donc, il reste un seul colis, mais il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Donc, je pense que les objets seront passés en vitesse. Enfin, tout sera passé en vitesse parce que je crois que c'est un colis où il y en a plus de 30 dedans. Donc voilà, j'enlève ce pet shop là. Donc j'ai 5 ou 6 lots, je ne sais plus. Et dans le même lot. Donc je vais vous montrer chacun des lots, les uns après les autres. Avec les accessoires et les pet shops. Donc il se peut que j'ai des doubles, mais c'est pas grave. Donc premier lot. Thank you.
Donc voilà, donc j'ai une annonce à vous faire. J'ai commencé un blog sur les pet shops uniquement, donc pour empêcher trop de vidéos sur ma chaîne justement, parce que comme c'est une chaîne avec plusieurs choses, et j'imagine que des gens n'apprécieront peut-être pas que je fasse trop de vidéos pet shop alors que je fais aussi des covers ou des trucs comme ça. Donc j'ai fait un blog, donc le lien sera dans la description. J'y poste des shootings photos, les différentes formes de pet shop que j'ai, les pet shop que j'ai avec leur numéro. Donc si vous voulez voir si j'ai un certain pet shop, soit vous écrivez le nom de sa forme dans rechercher, ou alors dans la barre de recherche, ou alors son numéro. Et puis je fais aussi des concepts, donc là je peux vous montrer. Donc hop. Alors je fais des concepts. Les concepts en fait, c'est par exemple, je prends une forme de vieux pet shop et par exemple j'ai pris cette forme là. J'ai redessiné le contour et j'ai pris un pet shop G4 et je l'ai dessiné si il était un pet shop de cette forme là. Donc certains le reconnaîtront, donc c'est lui. Voilà, ça donne ça. Donc sur mon blog j'utilise mon pseudo Nyako Pet Shop, mais vous pouvez m'y appeler Mew Mallory, hein. Et en concept, je fais aussi, j'ai des thèmes, et avec les thèmes, je dessine, je fais mes propres dessins sur le pet shop. Par exemple, une amie m'a donné l'été arrive, j'en ai fait deux pour le moment. Donc, j'ai fait ce renard. Voilà. Donc j'ai fait ce renard et j'ai fait ce lapin bélier. Voilà. Si vous voulez mieux voir, faudra aller sur le blog, hein. Ça sera dans la rubrique concept. Donc vous pourrez utiliser mes idées, mais il faudra me créditer au moins une fois. Vraiment, je ne demande pas à chaque fois que vous utilisez Pet Shop de me créditer, mais à la première fois où vous montrez le Pet Shop customisé par exemple, créditez-moi. Mettez mon nom dans la description ou sur l'image, mais je veux juste que vous me citiez, voilà. Donc c'était Nyako Pet Shop ou Mew Mallory. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et au revoir.